Martin et ses voisins. Réalisé par les enfants de l'école maternelle Saint-Joseph d'Ost, avec l'aide de leurs familles qui parlent franco-provençal, français, espagnol, portugais, roumain et russe, et de leur institutrice. Martin est un petit écureuil roux qui a fait sa maison dans le creux d'un cerisier. Un beau matin, Martin veut faire connaissance avec ses nouveaux voisins. Le lundi, il tape à la porte du hibou. Bon dia, Coruja, je suis Martin, ton nouveau voisin. J'ai une chose à te demander. Dit le hibou et lui claque la porte au nez. Le mardi, Martin tape à la porte du pirouge. Salut, chocanitoire, je suis Martin, ton nouveau voisin. J'ai une chose à te demander. Dit le pie et lui claque la porte au nez. Le mercredi, Martin tape à la porte du hérisson. Hola, hérisson, je suis Martin, ton nouveau voisin. J'ai une chose à te demander. Non, mais importa. Dit le hérisson et se roula dans sa boule pour dormir. Le jeudi, Martin tape à la porte du lapin. Hello, rabbit, je suis Martin, ton nouveau voisin. J'ai une chose à te demander. I don't care, dit le lapin et lui claque la porte au nez. Le vendredi, Martin reste dans son creux. Il est triste. À l'âme russe, triste se dit Grishni. Le jour après, c'est samedi. À l'âme russe, samedi se dit Suota. Martin sort pour se promener dans le bois et il voit du feu et de la fumée. Au secours, l'âme brûle! Crie Martin. Le hibou, le pie rouge, le hérisson et le lapin sortent vite de leur maison. Non, niente, ti a tué le foie. Ouf, l'arbre est en sécurité grâce à Martin, l'écureuil. Zano, Martin, se comportuno mal, lui disent les animaux. Non, non te conisalva. Je voulais vous inviter pour un goûter, alors c'est d'accord. Le dimanche matin, cinq amis jouent ensemble au pied du cerisier. Sur le grand cerisier, on y danse, et ma.